feras quoi? Tu feras quoi à l'université? Quelle faculté? Bon, je serai à la psychologie, à la psychanalyse. Tu seras où? À la psychanalyse. Donc c'est l'option que tu feras à l'université? Oui, la section, oui. Pourquoi tu préfères ça? Bon, en classe, vraiment, je me débrouille mieux à la psychologie qu'à d'autres cours pédagogiques. Quelle est l'impression du chef de l'État par rapport à ce résultat? Bon, le chef de l'État, il nous a brusqués. Hein. Oui, il nous a brusqués. Et puis, on ne s'attendait même pas à la publication au moment ici. On s'attendait aux 30 ou bien aux plus de 30. Mais le chef de l'État nous a impressionnés. Brusquement, seulement comme ça, il nous a publié. Bonjour, Kabasena. Bonjour, Kabasena. Émérence. Bonjour. Oui, bonjour. Tes impressions par rapport à ce jour? Pardon? Tes impressions par rapport à ce jour? Très joli, c'est bien passé. Joli, c'est bien passé. C'est quoi? Non, pas tes amis. Pas tes amis, explique-toi. Mes amis aussi, très bien. Hein. Ils ont réussi. Ouais, tes sentiments, tu dis quoi au chef de l'État? Il n'y a pas de quoi parler. Tu dis quoi au chef de l'État? C'est quand même bonjour. Voté, aux 8 et... Ah. Non, t'as parlé. Mais ça... Bon, ça va. Voté la bande. Non, c'est tout. Non, tu salues tes amis, non, tu as réussi quand même. Oui, j'ai réussi. Mais pas comme ça, j'ai réussi, c'est fini et puis... Regarde comme ça. Je regarde où? Là, la caméra. Pourquoi? Je suis pressée. Et les TV. Là, il y a vu. Chers internautes, suivez tous DKTO TV, votre chaîne de divertissement. Abonnez-vous massivement et activez les notifications pour ne rien manquer. Abonnez-vous. Voilà, madame, monsieur, c'est parti pour ce speech, Mgualelo. Vous savez très bien que le Zali sortir, résultat et examen d'État. Congo Kinshasa, vraiment, ils ont bougé, je suis là. Et si on a pu parler, c'est plutôt au moins finaliste. Pour nous, on a un peu de temps, on a à DKTO Télévision. Déjà là, je vous informe que Barista est à examen de TCBIMI. Mais tout le monde était gratifié. Ça salami. Vraiment, Kinshasa a bougé. Tout le monde a été un peu de ma campagne. Ils ont que. Moi je fais mon micro baladeur juste na super wana pour na collègue Sabino. Quatre coins péricoins à Kinshasa, ici Kapi. Ma finesse s'appelle Bazali, hein. Vous allez donc découvrir avec moi. Nous marchons, hein, tout le temps on a bango pour la solo na bango, solo na bango. Parce que Zali vraiment joue na bango, bazana et sengo, on a été bazui. Moi de plus là je fais un tour pour visiter quelques finalistes tout solo na bango longo. Vraiment c'est un grand plaisir de vous voir nombreux sur notre chaîne DKTO Télévision. Déjà là, je vois les amis qui sont en train de donc. Bonjour. Permettez. Excusez-moi, Namoni Bazam qui peut m'occuper, mais je vais appeler les fils finalistes à mon compte, mais quand on s'en aille. Tu peux parler. C'est votre jour, non? Les fils de remerciement à ceux qui te suivent, s'il te plaît. J'ai réussi avec 76%. 76%. Bon, en fait, le gouvernement avait prévu 75%. On voit que c'est plus que ça. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Nous sommes vraiment morts, mais nous avons quand même pu retourner à l'école, continuer le programme et réussir. Personnellement, dans notre école, nous avons vraiment bossé dur et les résultats sont vraiment meilleurs en tout cas. Nous ne pouvons que remercier Dieu, le président, le gouvernement de nous avoir fait. C'est un peu comme une sorte de grâce, quoi, parce que d'autres pays ont eu en nez blanche, mais nous avons continué, nous avons réussi. Tu comptes faire quoi à l'université? Je compte faire la médecine. Je suis l'élève Christelle Deco, 6e biochimie. Okay, bonne journée. Bon, nous continuons. Hein. Tout à l'heure, on a bandé comme Soussou. Donc, je vais continuer avec mon micro-baladeur. J'ai encore d'autres amis qui sont là, qui veulent parler. Salut, tu vas parler? Tu parles pas? Bon, bon, ça peut comprendre les actes et moi, c'est Ali. Comme ça, on continue le micro-baladeur en abysso. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Olive Le Bal. Hein? Comment tu as réussi? Hein? Oui, j'ai réussi. Combien de pourcents? 64. Hein? Bon, c'est quoi de faire quoi à l'université? À l'université, je veux faire l'anesthésiste. Quelles sont tes impressions par rapport à ces jours? Quoi? Vous disiez quoi? Quelles sont tes impressions par rapport à ces jours? Non, je suis heureuse parce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Je suis vraiment très heureuse.
C'est qui nos parisiens? C'est qui? C'est qui nos parisiens? C'est qui nos parisiens? Je me dirais qu'il continue tellement. Même l'année prochaine, donc initialement la visite propre d'État. Merci, c'est gentil. Bonjour s'il te plaît. Viens. Une minute, viens, s'il te plaît. Une minute. Oh bah une minute qui arrive, viens. Voilà, salut, je suis avec les amis. Bah finaliste bien bazar, ouais, je sais pas, tu vas parler. Qui va parler? Tu vas parler? Salut. Tu vas parler? Ah, Joël Sazawa, ok. Salut. Bonjour, comment tu vas? Non, juste à tes impressions par rapport à ces jours. Non, je ne vais pas. Mais tu es finaliste, non? Non, si, bien sûr. Mais tu veux parler? Non, je ne vais pas. Oh là là, tu parles, bonjour, ça va? Tu parles, tu parles pas? Non, je parle pas. Oh là là. C'est elle qui arrive. Mais c'est toi qui arrives ici. Non, je ne vais pas, je ne peux pas être. Ah, ça va être belé. Bon, je peux citer. Bonjour. Tout est bien passé. Comme je peux dire, j'ai obtenu 56% par la grâce de Dieu. Donc mes dédicaces, je fais à mon frère Kabassel qui est à côté de moi. Et à ma gauche, le frère Jonathan. C'est un peu ça. À l'université, je ferai. Donc, moi, la science politique. Pour être un politicien, un politologue. C'est un peu ça. Pardon? Ouais. Bonjour, comment ça va? Émérence. Émérence, c'est ici. Bonjour. Oui, bonjour. Tes impressions par rapport à ces jours? Pardon? Tes impressions par rapport à ces jours? Très joli, c'est bien, c'est bien passé. Et c'est quoi? Non, pas les amis. Amis, mes amis aussi très bien, hein. Ils ont réussi. Ouais, tes sentiments, tu dis quoi au chef de l'État? Il y a pas de quoi en parler. Tu dis quoi au chef de l'État? C'est pas un combat de bonjour. Voté, aux 8 et. Ah. Non, t'as parlé. Mais ça. Bon, ça va. Voté la bande de bonheur. Non, c'est tout. Non, tu salues tes amis, non, tu as réussi quand même. Oui, j'ai réussi. Mais pas ça comme ça, j'ai réussi. C'est fini et puis. Regarde comme ça. Je regarde où? Là, la caméra. Pourquoi je suis pressée? Elle est TV. Là, Yévi. Bonjour, quoi, maman, tu salis pas? Bon, ça va, comprenez que ma finaliste est vas-y, mais je sais pas. C'est un problème de niveau, quoi. On habite Mbokao. Bon, on a vraiment un grand boulot à faire, là, parce que les finalistes vas-y, mais vas-y, qui m'envoie au micro. Donc, comprenez que. Puis pour dire ses sentiments, et dans ma passe. Donc, nous continuons notre micro baladeur. Ton ami Rakin dit, bon, découvrir. Vraiment, mon bébé lézard découvrir tout au long, il y a entretien d'Abissio. Donc, je dis un grand merci à vous tous qui êtes branchés sur DKT ou Télévision. Vous continuez. Mirakin, toi, continuez. Mirakin, dis là. Ouah, bonjour. Par la grâce, ça va. Donc, je peux dire que Dieu était là, la grâce de Dieu était là. C'était pas facile pour nous. Vous savez, avec ce coronavirus, mais Dieu nous a fait grâce. Et là, on est diplômé. Je bénis le Dieu de ma vie pour la grâce qu'on nous a faite. Et je bénis tous les diplômés, Dieu nous a fait grâce et là on est diplômé. Donc comme on dit à l'ingrat, tous les guides étape nous soit vie. Donc maintenant nous pensons à autre chose. Vraiment nous disons merci à Dieu et à notre président et au ministre de l'enseignement, M. Willy Bakonga, merci. Salut finaliste. Vous comprenez que le finaliste ne devait pas parler, hein. Salut cousin. Oui, salut. Pardon? Tu feras quoi à l'université? Quelle faculté? Bon, serai à la psychologie, à la psychanalyse. Tu as dit, tu seras où? À la psychanalyse. Donc c'est l'option que tu feras à l'université? Oui, la section, oui. Pourquoi tu préfères ça? Bon, en classe, vraiment, je me débrouille mieux à la psychologie qu'à d'autres cours pédagogiques. Tu as l'impression au chef de l'État par rapport à ce résultat? Bon, le chef de l'État, il nous a brusqué, hein. Oui, il nous a brusqué, et puis... On ne s'attendait même pas à la publication au moment ici. On s'attendait aux 30 ou bien au plus de 30. Mais les chefs de l'État nous ont impressionnés. Brusquement seulement comme ça, il nous a publié. Ouais. Il a fait combien de pourcents? Il fait 53%. Ouais. Merci. Ça va. Voilà, comprenez que lui là comme moi répondit. Hein, les autres on ne répond pas. On va voir. Nous continuons ton micro baladeur avec Mirakinzi. Mirakinzi, je continue mon micro baladeur. Bon, je suis juste très heureux parce que je remercie d'abord le Seigneur. Parce que c'est grâce à lui qui m'a donné ces points, 69%, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai remercié aussi mon école. Tu ferais quelle faculté? La médecine.
Ouais. Bon, parce que je sais pas vraiment comment dire, parce que je m'envie beaucoup à ça et puis ça m'aide à beaucoup de choses. Parce que je vois déjà qu'il y a mon père qui est déjà du domaine et moi aussi je vais faire pareil. Là je dois créer, mais je dois parler en douceur. Oui, bonjour. Je m'appelle Élisée Muyombo. Là, bon, je suis très contente premièrement. Parce que malgré le coronavirus, on a dû réussir. On ne s'attendait pas à ce qu'on puisse y avoir de points qu'on a. Mais Dieu nous a fait grâce, on a reçu, on a bien passé nos épreuves et le résultat est à merveille. Et là, tu penses faire quoi à l'université? Oui, je ferai l'université. Je ferai l'informatique, malgré tout je suis une pédagogue. Je ferai l'informatique parce que, attention, premièrement, je n'ai jamais connu comment qu'est-ce que les gens font, fait des informatiques, comment travailler, comment manipuler l'ordinateur. Mais je vais moi apprendre. Premièrement, je passais d'abord par des informations et après, je vais aller m'inscrire et passer les épreuves pour continuer. Bonjour. Ouais, je vais très bien avec vous. Ouais, j'ai déclenché mon bac aujourd'hui. Vraiment, je suis très ravi malgré les épreuves. On a parcouru des moments très très difficiles. J'espère si c'est plus de 3 mois qu'on n'étudiait pas. Vraiment, on n'avait même plus l'espoir qu'on allait faire ces épreuves. Bah, gloire à Dieu. Maintenant, on a vraiment réussi. On rend gloire à Dieu et à notre président, à tout le ministère de l'EPST. Bah, moi, à l'université, je ferai la médecine. La médecine. Parce que vraiment, c'est ma passion. Quoi. J'aime la médecine, le corps médical. L'ami, Kayé. Kayé. Voilà, bonjour. Elle a déjà parlé. Bonjour. Attends, voilà, comprenez que Isa, moi, ambiance, m'a ramené Kendele. Donc, nous sommes là avec le finaliste, Bada vraiment Bélé. On a juste voulu tout l'exabino. Bah, compétence Nabango, hein, c'est le micro-baladaire. Nous, on sillonne toujours. Hein. Nous allons pour la personne marcelonienne et Kendele. J'ai réussi avec 76%. 76%. Bon, en fait, le gouvernement avait prévu ces conseils pour voir que c'est plus que ça. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Nous sommes vraiment mal, mais nous avons quand même pu retourner à l'école, continuer le programme et réussir. Personnellement, dans notre école, nous avons vraiment bossé dur et les résultats sont vraiment meilleurs en tout cas. Nous ne pouvons que remercier Dieu, le président, le gouvernement de nous avoir fait. C'est un peu comme une sorte de grâce, quoi, parce que d'autres pays en est blanche, mais nous avons continué, nous avons réussi. Tu comptes faire quoi à l'université? Je compte faire la médecine. Je suis l'élève Christelle Deco, 6e biochimie. Et bonne journée. Bon, nous continuons. Tout à l'heure, on a bandé comme Soussou. Donc, je vais continuer avec mon micro-baladeur. J'ai encore d'autres amis qui sont là. Tu veux parler? Salut, tu vas parler? Tu parles pas? Bon, ça peut comprendre là, Isaac et moi, c'est Zali. Comme ça, on va continuer micro-baladeur en Abissou. Bonjour. Bonjour. Comment je m'appelle Olive Le Balia. Hein. Moi, tu as réussi. Hein. Oui, j'ai réussi. Combien de pourcents? 64. Hein. Bon, c'est quoi de faire quoi à l'université? À l'université, je veux faire l'anesthésiste. Quelles sont tes impressions par rapport à ces jours? Quoi? Vous disiez quoi? Quelles sont tes impressions par rapport à ces jours? Tes impressions? Non, je suis heureuse parce que j'ai retenu mon diplôme d'État. Je suis vraiment très heureuse. Et ceux qui n'ont pas réussi? C'est qui? Ceux qui n'ont pas réussi, je veux dire qu'il continue tellement. Même l'année prochaine, il va continuer tellement le business prof d'État. Merci, c'est gentil. Bonjour, s'il te plaît. Viens. Une minute, viens, s'il te plaît. Une minute. Oh, bah, une minute, carré, viens. Voilà, salut, je suis avec les amis, bah, finaliste bien bazar, ouais, je sais pas, tu vas parler? Qui va parler? Tu vas parler? Salut? Tu vas parler? Ah, je vois ça, Zawa, ok. Salut! Bonjour, comment tu vas? Non, juste à tes impressions par rapport à ces jours. Non, je ne vais pas. Mais tu es finaliste, non? Mais tu veux parler? Non, je ne vais pas. Oh là là, tu parles, bonjour, ça va? Tu parles, tu parles pas? Non, je parle pas. Oh là là.
Mais c'est toi qui as réussi. Je peux citer un jour. Tout est bien passé. Comme je peux dire, j'ai obtenu 56% par la grâce de Dieu. Donc mes dédicaces, je fais à mon frère Kabassel qui est à côté de moi. Et à ma gauche, le frère Jonathan. C'est un peu ça. À l'université, je ferai. La science politique, c'est pour être un politicien, un politologue. C'est un peu ça. Pardon? Ouais. Bonjour, Kabassel. Émérance. Bonjour. Oui, bonjour. Tes impressions par rapport à ces jours? Pardon? Tes impressions par rapport à ces jours? Très joli, c'est bien, c'est bien passé. Et c'est quoi? Parle à tes amis, explique-toi. Mes amis aussi, très bien, hein. Ils ont réussi. Ouais, tes sentiments, tu dis quoi au chef de l'État? Il n'y a pas de quoi en parler. Tu dis quoi au chef de l'État? C'est quand même pas mal. Voté, aux 8 et. Ah. Non, t'as parlé. Mais ça. Bon, ça va. Non, c'est tout. Non, tu salues tes amis, non, tu as réussi quand même. Oui, j'ai réussi. Mais pas comme ça, j'ai réussi, c'est fini. Et puis. Regarde comme ça. Je regarde où? Là. Pourquoi je suis les TV? Là, Yévi. Bonjour, pas maman, tu salis pas? Bon, ça va, comprenez que ma finaliste à la Zui, mais je sais pas, c'est un problème de niveau quoi. On habite Mboka, bon, on a vraiment un grand boulot à faire là, parce que des finalistes à la Zui, mais qui m'a au micro, donc comprenez que lui pour dire ses sentiments, et dans ma passe. Donc, nous continuons notre micro baladeur, ton ami Akin Zibo, découvrir. On va bébé les découvrir tout au long et entretien d'Abissio. Donc je dis un grand merci à vous tous qui êtes branchés sur DKT ou Télévision. On va continuer. Mirakinto, continuez. Bonjour. Ça va. Donc, je peux dire que Dieu était là, la grâce de Dieu était là. C'était pas facile pour nous. Vous savez, avec ce coronavirus, mais Dieu nous a fait grâce. Et là, on est diplômé. Je bénis le Dieu de ma vie pour la grâce qu'on nous a faite. Et je bénis tous les diplômés, Dieu nous a fait grâce et là on est diplômé. Donc comme on dit à l'ingrat, le guide étape nous soit vie. Donc maintenant nous pensons à autre chose. Vraiment nous disons merci à Dieu et à notre président et au ministre de l'enseignement, M. Willy Bakonga, merci. Salut finaliste. Comprenez que le finaliste ne devait pas parler. Hein? Salut cousin. Oui, salut. Pardon? Tu feras quoi à l'université? Quelle faculté? Bon, je serai à la psychologie, à la psychanalyse. Tu seras où? À la psychanalyse. Donc c'est l'option que tu feras à l'université? Oui, la section, oui. Pourquoi tu préfères ça? Bon, en classe, vraiment, je me débrouille mieux à la psychologie qu'à d'autres cours pédagogiques. Tu as l'impression au chef de l'État par rapport à ce résultat? Bon, le chef de l'État, il nous a brusqués. Hein. Oui, il nous a brusqués. Et puis, on s'attendait même pas à la publication au moment ici. On s'attendait aux 30 ou bien au plus de 30. Mais les chefs de l'État nous ont impressionnés. Presque là seulement comme ça, il nous a publié. Ouais. Il a fait combien de pourcents? Il fait 53%. Ouais. Merci. Ça va. Voilà, comprenez que lui là, comment moi répondit, les autres on ne répondent pas. On va voir. Nous continuons ton micro baladeur avec Mirakinzi. Mirakinzi, je continue mon micro baladeur. Bon, je suis juste très heureux parce que je remercie d'abord le Seigneur. Parce que c'est grâce à lui qui m'a donné ces points, 69%, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai remercié aussi mon école. Tu ferais quelle faculté? La médecine. La médecine? Ouais. Tu aimes ça? Bon, parce que je sais pas vraiment comment dire, parce que je m'envie beaucoup à ça et puis ça m'aide à beaucoup de choses. Parce que je vois déjà qu'il y a mon père qui est déjà du domaine et moi aussi je vais faire pareil. Merci. Là je dois crier mais je dois parler en douceur. Oui, bonjour. Je m'appelle Élisée Muyombo. Tes impressions par ces jours? Bon, je suis très contente premièrement. Parce que malgré le coronavirus, on a dit reçu. On ne s'entendait pas à ce qu'on puisse avoir de points qu'on a. Mais Dieu nous a fait grâce, on a reçu. On a bien passé nos épreuves. Et le résultat est à merveille. Et là, tu penses faire quoi à l'université? Oui, je ferai l'université. Quelle faculté? Je ferai l'informatique. Malgré tout, je suis une pédagogue. Je ferai l'informatique parce que... Attention, premièrement,
Je n'ai jamais connu comment qu'est-ce que les gens font, c'était fait des informatiques, comment travailler, comment manipuler l'ordinateur. Mais je veux moi apprendre. Premièrement, je suis passée d'abord par des informations. Et après, je vais aller m'inscrire et passer les épreuves pour continuer. Bonjour. Ouais, je vais très bien, et vous? Ouais, j'ai déclenché mon bac aujourd'hui. Vraiment, je suis très ravi malgré les épreuves. On a parcouru des moments très très difficiles. J'espère si c'est plus de 3 mois qu'on n'étudiait pas, vraiment on n'avait même plus l'espoir qu'on allait faire ces épreuves. Bah, gloire à Dieu. Maintenant, on a vraiment réussi. On rend gloire à Dieu et à notre président, à tout le ministère de l'EPST. Bah, moi, à l'université, je ferai la médecine. La médecine. Parce que vraiment, c'est ma passion. Quoi. J'aime la médecine, le corps médical. L'ami, Kaye. Kaye. Voilà, bonjour. Elle a déjà parlé. Bonjour. Attends, voilà, comprenez que ça a moins ambiance. Donc, nous sommes avec le finaliste. Bada vraiment belé. On a juste voulu tout l'exabino. Bah, compétence Nabango, hein, c'est le micro baladaire. Nous, on en sillonne toujours. Nous allons pour la personne marcelonienne qui est Ndélé. Chers internautes, suivez tous DKTO TV, votre chaîne de divertissement. Abonnez-vous massivement. Et activez les notifications pour ne rien manquer. Abonnez-vous.